Xôm chuyển quỳ. Bà chia bản to xôm chuyển giả hạ bà đề nhà. Good afternoon, Mr. President, Your Honours. Som chamrep su Adam Pathean lok luk srey chakram tngo. Your Honours, in the 15 minutes. Nak nong yep 15 minit da khnyom tatu ban khnyom trey chloy top. Make a few key points. Hai khnyom chang luk nei chumnaich kanluh muoy chumnuon pepon te nang avai da metavi khe sampon ban luk lang. The first thing I'd like khnyom to make chea dambong is that Council refers to the chamber distorting the evidence, or distorting their interpretation of the evidence to evaluate their decision. But I mean, it's clear today, Your Honours, that Council herself has distorted the evidence before you in relation to what evidence was available to the chamber. And today, I certainly might be discussing the evidence of the proof of the crimes or the evidence of how Q. How Nguyen Chia's convictions are justified for tomorrow and the next day. But she would remember the witness Poncho, the witness Noi Mao, and the witness Mao. They all give evidence, live evidence, what they could challenge of the population movements prior to 1975. So, it's just not the case that there are just some examples that the chamber has relied on written evidence that hasn't been able to be cross-examined. There are other examples that my colleagues will raise tomorrow. But perhaps I'd like to stay a little broader, but before I do, I would refer Your Honours to decision E1/193.1, and this is in relation to Yang Sari's complaint that the trial chamber shouldn't have used the victim impact testimony that they gave at the hearings. My colleagues have talked about that briefly, but just to show that that's categorically wrong. The chamber can decide that parties may request the civil parties on relevant factual issues subject to the time limitations announced. And then a few days earlier that led to this decision allowing information coming out in the segment in relation to the reparation of the victim impact of this trial was put forward by one of the prosecutors, Keith Raynor, and he made 10 submissions stating that the civil party should be questioned on all issues in the case, that the evidence related to suffering and the occurrence of crimes was inextricably linked, could separate the two. The civil parties to be heard were victims of forced movements whose evidence would go to the heart of the trial. The defense had to be provided with the opportunity to challenge the evidence. Both the prosecution defense have been proceeding on the basis that full examination will take place. The duty of the chamber is to ascertain the truth. And the civil parties providing victim impact statements
be treated in the same way as previously retired people were testified. The counsel for me, Chia, then responded, I don't think I would ever be saying this in a court of law, but I think I agree with all 10 submissions by the prosecution. So we fully concur with the submissions of the prosecution. Counsel for Kusampan also agreed with that position in court that led to the decision of the trial chamber. So when Kusampan's counsel puts forward that evidence shouldn't be used arising out of civil party victim impact statements, that should not be possible now when at trial they agreed with the appropriate course to take. And of course it's appropriate, Your Honours, because that evidence of the impact of the suffering of some victim from the first force transfer or the second force transfer will be linked to the facts how that person suffered. But if I can move on, Your Honours, and perhaps one of the most significant points that Kusampan's counsel raised was this idea that his right to be able to challenge the evidence that was presented against him, particularly testimonies that didn't come to the violated. There was over 92 witnesses heard, 25,000 pages of transcripts. And very significantly, Your Honours, there was 5,800 documents amounting to 222,000 pages in three different official languages. So I can say, if we divide that by three, 70,000 pages of relevant, probative material. In that material, in those 5,800 documents, approximately, there was 2,800 documents that originated from Democratic Kampuchea or immediately before. Documents that were recorded at the time by people either in the Khmer Rouge and the CPK or people observing it. Under 20% of the evidence that was before the trial chamber is based on written statements that was admitted without cross-examination. Under 20%. The documents in the case file, and the reason why I raised this, is counsel is saying that this trial chamber didn't have significant the trial chamber. It didn't have significant material before it to base its judgment. Your Honours, there were 200 statements from the accused themselves that were on that case file. And many of those statements go to proving the acts and conduct and policies that occurred. But even more significantly, 80% of the 2,300 documents were produced by the CPK themselves. Your Honours, these documents present a high body of inculpatory evidence relevant to the accused's positions, their roles, their authority, their policy, the military structures, the administrative structures through which the crimes were committed.
of those documents, the chamber had 495 telegrams from the CPK, I guess I saw a job of recorded as being present. Can I not make a sign of good? I kiss and pond me what the mean to room. The pay that I'm participation on the CPK. Some right and some kind of public publications. I guess I'll pass up a moment of the government. Because when you look at this mess, the control chamber looked at the case in terms of its totality, in terms of all of the evidence that it had before them. And Your Honours, that is the approach that we submit is the correct approach. មិនមែនរាល់អង្គហេតុនេះមួយនេះមួយគឺអង្គហេតុនៃការសម្លាប់នេះមួយនេះដែលអាចយកមកដាក់នៅក្នុងមុខអង្គជំនុំជម្រះនោះឡើយឧទាហរណ៍ថាតាមរយៈការប្រកាសខែកម្មតាមរយៈគោលនយោបាយឬក៏តាមរយៈកំណត់ហេតុជាដើមនោះទេក្រាន់តែបង្ហាញឲ្យហួសពីវិបត្តិសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះគឺថាប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើទិដ្ឋភាពជារួមនៃកម្មគឺ The ultimate weight to be attached to each relevant piece of evidence is not the relative piece viewed in isolation, may not be sufficient to satisfy the obligation of the prosecution. The effect of the evidence, the totality of the evidence, which must be weighed to determine whether the prosecution has proved its case beyond reasonable doubt. Because, as the saying goes, If you look at one tree, you look at one wood, and deem whether that is actually collection of evidence supporting the hardship, supporting the killings, the hardship, supporting the killings, 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 supporting the killings,
ពីនិតទៅលើឯកសារដែលបានសារពីសម័យនោះតែម្ដងព្រោះវាជាឯកសារដ៏សំខាន់ដែលបានបញ្ជាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគឺត្រឹមត្រូវដោយស្របទៅតាមសក្ខីកម្មទៅតាមភស្តុតាងនិងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយនានា ប្រតិបត្តិជនជាប់ចោលនឹងរឿងប្រតិបត្តិការប្រព្រឹត្តរបស់ជនជាប់ចោលនឹងរឿងមេធាវីក៏ពេលក្តីអាចមានត្រូវទទួលបានឱកាសក្នុងការជំទាស់ទៅលើភស្តុតាងដែលនិយាយអំពីអកប្បកិរិយានិងការប្រព្រឹត្តមានច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាយើងមានជនរងគ្រោះរាប់លាននាក់ដែលយើងមានហើយយើងត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែង ត្រូវស្វែងរកឲ្យបាននៅទលយៈភាពដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគាត់បានធ្វើគឺគាត់បានពិនិត្យទៅលើភស្តុតាងមានក្នុងសំណុំរឿងនៅក្នុងសារក្រមដែលមាន 600 ចំព័រហើយនៅសេចក្តីសម្រេចប្រហែលជា 300 ចំព័ររបស់សាលាដំបងគឺថាខ្ញុំគិតថាគឺជាសារក្រមដែលមានសម្អាង ហើយវាប្អាយទៅលើកម្រិតនៃការបង្ហាញភស្តុតាងដ៏សមស្របមួយហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះនៅថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាសំណួរដែលសួរដោយចៅអង្គជំនុំជម្រះអញ្ចឹងបើតកតើនឹងវគ្គទី1វគ្គទី2អំពីតកហើយក៏បណ្ដឹងសារទុកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនិងធម្មនុញ្ញភាពនៃវិធានផ្ទៃក្នុងនិងវិធីសាស្ត្រទូទៅស្ដីពីផុសតាងនេះបើអស់លោកចៅក្រមមានយោបល់មានសំណួរសូមអញ្ជើញ I'd like to ask the prosecution in relation to the averment of the appeal that there is no, because it sort of logically follows from what Mr. Prosecutor was presenting before us, that there is very little, if any, discussion on the reliability of evidence and witness credibility. Would you defend the trial judgment with this respect? Yes, Your Honours, when Your Honours look at the judgment, the judges rely on, they make it clear at the beginning, when they deal with their trial, they make it very clear that they would treat any written evidence that the accused hasn't had an opportunity to cross-examine the author with caution. And it should be presumed that applied Similarly, they state quite clearly that the accused is presumed guilty, presumed innocent until proven guilty. But they state, it must,
The guilt must be based on beyond a reasonable doubt. And they also state upon a reasoned assessment of the evidence, the chamber interprets any doubt as to the guilt in the accused's favor. And further, they also state that in order to convict, all reasonable inferences that may be drawn from the evidence must be consistent with the guilt of the accused. So, certainly, from a general sense, I think it should be presumed that application of standard of the the high standard that's required dealing with all elements in the trial was done throughout the judgment. But then, when you go to the judgment in particular, you'll see a number of instances where the chamber reasons evidence. It reasons where there's inconsistent evidence. Gives reasons where it accepts parts of the evidence over or parts of accomplices' over other parts. And perhaps if I can just refer Your Honour to a number of paragraphs, footnotes 125, 669, 680, 367, 429, 527, footnotes 125, 669, and as Your Honours, you know, would be aware, it's impossible for a trial chamber to reason every fact to assess the evidence. And if I refer Your Honours to, because the judgment could never be written if every single fact had to be reasoned, there must be a presumption that the trial chamber weighed the evidence. We understand that we are on the safe ground, not having given reasons to our rejection of evidence, and Nunchia is unjustly offended. But we will. We will detail. I understand that the prosecution wants this chamber to presume that the trial chamber accepted evidence on which it didn't comment in its entirety. Do you think there is any basis for such a... There is, Your Honour. I mean, obviously, the chamber has to give sufficient reasoning and factual support to prove the elements of the charges. But to reason why every piece of hearsay perhaps was accepted or not accepted, or every single fact was accepted or not accepted, it would be impossible to finish the judgment. I mean, that's clear. And so there's got to be sufficient reason. We say there's sufficient reason because of the evidence that has been used to support those findings in the judgment. But I would like to finish, Your Honours, to the ICTY case of Khmer, so the authority 132, Appeals Chamber, paragraph 12, 2010, and it states, while a trial chamber has an obligation to provide reasons for its decisions, it's not required to articulate the reasoning in detail. The fact that the trial chamber did not mention a particular fact in its written order does not by itself establish that the chamber has not taken that circumstance into consideration. And as I said, Your Honours, I gave some examples where you'll see that reasoning or that balancing process happening, and where you don't in other places. The law tells us that as long as there's sufficient evidence before them, that process is undergone throughout.
The chamber did hear three witnesses the chamber would like to know from the parties whether that evidence has had any impact on any of the findings of the trial chamber in the judgment. And the chamber would like to start with the defense counsel for Merci, Madame le juge. Précisément, j'allais rebondir sur un élément donné tout à l'heure au sujet de la réunion sur l'évacuation. Je vais d'abord parler donc, du témoin que vous avez entendu qui s'appelle Totten. À l'audience du 6 juillet 2015. Et ça revient exactement à ce que je disais au sujet de la légèreté du traitement de la preuve par la Chambre. Dans l'intégralité du jugement, il n'y a qu'un seul témoin qui parle du contenu de la réunion au sujet de l'évacuation. Et il place entre autres Nguyen Chia, Kyo Sampan et Rosnim. À l'audience du 6 juillet 2015, vous avez entendu Totten, garde du corps de Rosnim. Il vous dit, c'est un petit peu après 14h12:41, que le document c'est F1-3.1. Et la question qui lui est posé par l'avocat de la défense, mon frère Verken, il me semble. On lui pose des questions sur cette réunion, la fameuse réunion 74, et on lui demande, est-ce que vous vous souvenez, monsieur, si en 1974, vous avez accompagné Rosnim à une réunion qui dura 2 semaines et qui s'est tenue à peu près 300 km, voire plus, de Devin. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et la réponse est la suivante, non. Ce n'était pas en 74. Je pense que c'était plutôt en 75. Cela s'est passé après la conférence. Donc, en appel, nous avons un témoin qui accompagnait Rosnim et qui nous dit que la réunion qui a été fixée par la chambre de première instance quelque part en juin 1974 et pour laquelle elle a réuni tous ces éléments que je vous ai décrits tout à l'heure, nous avons un autre témoin en appel qui nous dit que lui, en tout cas Rosnim, qui l'accompagnait tout le temps, n'a pas assisté à cette réunion. C'est Rosnim, c'est un membre a priori de l'entreprise criminelle commune telle qu'elle a été définie par la Chambre, et c'est un élément nouveau qui est utile également à prendre en considération et qui démontre que se baser sur un seul témoin dont la crédibilité encore une fois est contestée du côté de la défense pour arriver à situer M. Kyo Sampan à une réunion à laquelle Rosnim aurait également assisté, ça pose un problème. Vous avez également les déclarations de Sam City, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Sam City, qui, selon la déclaration écrite, aurait assisté à l'exécution de membres de sa famille, et qui, au niveau, lorsqu'il arrive et qu'il témoigne devant la chambre, là, ce n'est plus la même chose. On se rend compte que, finalement, ce qui est indiqué dans sa déclaration écrite, il aurait assisté à l'audience, il vous dit qu'il aurait entendu une heure après un coup de feu. Et là, ça me permet de revenir, il faut que je retrouve les références exactes, je vais vous les redonner. Voilà, donc finalement, on réalise, et là, c'est vers 15h16 à l'audience du 3 juillet 2015, on réalise qu'il n'aurait pas finalement été témoin populaire d'une exécution et que finalement il aurait entendu des coups de feu environ une heure après que son père et des hommes seraient partis. Il vous dit, et ça c'est un problème de crédibilité, qu'il y a des gens qui seraient capables de corroborer, des gens de sa famille qui pourraient corroborer ces faits.
Mais finalement, quand on lui demande quel membre de sa famille, on ne se souvient plus des noms. Et puis surtout, vous avez aussi un autre élément qui démontre une mauvaise pratique de la Chambre, à savoir que le matin, lorsqu'il est interrogé à chaud, et qu'il s'agit de réagir en fonction de ses souvenirs et de son vécu, il vous donne une version. On lui oppose. À un moment, l'avocat de la défense Copé lui oppose et lui laisse à disposition sa déclaration écrite, celle qui a été utilisée par la chambre de première instance. Et puis là, l'après-midi, il a eu le temps de relire sa déclaration et il change de déclaration. Il revient. Il redonne encore une autre version. Donc là encore, c'était la démonstration. Deux choses, la démonstration que un témoin, une déclaration écrite, simplement, quand on se base dessus pour établir des crimes, rien ne vaut la confrontation à l'audience. Et ça me permet également de compléter en disant que la relecture et la pratique que la chambre de première instance établit et continue encore aujourd'hui d'utiliser, à savoir de faire relire et confirmer de façon générale les déclarations antérieures des témoins, ça a une incidence sur la spontanéité de la preuve et les possibilités de confrontation à l'audience. Un autre point qui est aussi également important de noter au sujet des déclarations écrites, qu'on soit bien clair, nous n'avons jamais dit que la chambre s'était uniquement fondée sur des déclarations écrites, mais Monsieur le Président, vous me permettez de rebondir sur ce sujet, je rappelle que nous avions déposé à notre requête, en demande d'arrêt des procédures, une annexe, un addendum plutôt, et c'est le document devant votre chambre, E275-2-1-3.1. La demande urgente, pardon, l'addendum était /1/3. Et vous aviez donné ce numéro avec point 1 en annexe la demande d'urgence de clarification que nous avions faite justement en relation avec la décision de la Chambre sur la question des déclarations écrites. Et vous verrez, je vous demande vraiment de porter attention à ce point, que lorsqu'on nous dit que nous avons eu la possibilité de faire des objections, il faut voir dans quelles conditions ces objections étaient faites. Il faut rappeler que la décision de la Chambre de première instance sur les déclarations écrites, est intervenue un an après la requête, que par la suite, elle avait donné un délai particulier au co-procureur pour donner ou réviser leur liste. Elle avait donné un délai de 40 jours, qui a été dépassé par les coprocureurs de 40 jours, et que c'est 16 jours après, c'est-à-dire en maintenant le délai initial pour les observations en réponse de l'accusation, à l'accusation, que les équipes de défense ont pu faire leurs observations. C'est-à-dire qu'on devait faire des observations et des objections sur une liste qui a été fournie 40 jours en retard et qui a été malgré tout acceptée par la Chambre. Et on vient évidemment, évident que ce n'est pas en 16 jours qu'on pouvait faire des observations et des commentaires particuliers sur 1399 déclarations écrites. Donc ça, c'est quand même un élément à garder en tête et qui milite aussi en faveur de la thèse que nous avons, à savoir que la Chambre, là encore, a fait preuve de partialité. Le troisième témoin, dont le nom m'échappe, qui va me revenir tout de suite, qui évoque la question des réunions auxquelles il a assisté, et notamment Saouvane, le témoin Saouvane, qui a également ensuite été entendu devant la chambre de première instance dans le cadre du procès 02-2, qui évoque une réunion à laquelle il aurait assisté, à laquelle il a bien entendu un certain nombre d'indications de la part
de membres, de dirigeants du PCK à l'époque, disant qu'il ne fallait pas tuer les anciens soldats de la République Khmer, les anciens soldats de Lonnol. Il est évident que c'est un élément qui est important, notamment parce que, et ça c'était la thèse de la défense particulièrement développée par l'équipe de Nunchea, mais qui correspond également à la thèse de Khieu Samphan, à savoir qu'il n'y a jamais eu d'adhésion, en tout cas, de M. Khieu Samphan à un quelconque plan en vue de tuer des personnes de, anciennement de la République Khmer, que Thun Pol Chret s'est passé dans une zone où il y avait des responsables de zone qui n'ont pas respecté la politique du PCK, et que dans ces conditions, la question de l'entreprise criminelle, la question du bout commun doit être revue et ne saurait suivre la logique de la Chambre dans le cadre de son jugement. Parce que ça, c'est un élément qui est important, on est toujours sur une notion d'une vision monolithique de ce qu'était le PCK, monolithique de ce qu'étaient les Khmer Rouges. On parle des Khmer Rouges et des Khmer Rouges, mais ça, c'est un élément qui avait été également noté par l'expert Short lorsqu'il a été entendu devant cette chambre. Il n'y a jamais vraiment eu d'armée ou de force armée unifiée. Les armées étaient des armées de zone. La manière dont s'est déroulée l'évacuation, on l'a vu, il y a eu des éléments à l'audience pour dire que selon les zones, ce n'était pas les mêmes méthodes. On a eu également à l'audience des éléments pour dire que c'était un point essentiel pour l'équipe de Nunchea, mais qui rejoint la préoccupation de savoir, c'est que on ne peut pas parler d'entreprise criminelle commune, on ne peut pas parler de but commun si les membres de l'entreprise criminelle commune alléguée ne sont pas d'accord sur tout, ont des visions différentes, et comme dans n'importe quel mouvement politique, ont des scissions ou des courants internes. Et dans ces conditions, nous soutenons également que tout Pol Chret, le témoignage de Saouvan permet de remettre cela en perspective et de réaliser que ce qui est considéré comme une politique générale initiée par le PCK est en fait, peut se voir en fait comme des dérapages et des mauvais choix de responsables de zone qui n'ont rien à voir ni avec l'ensemble des dirigeants du PCK et encore moins avec M. Khieu Samphan, dont je rappelle que la Chambre avait considéré qu'il n'avait aucun pouvoir en matière militaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. 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 Merci Merci de nous donner la parole, Madame le juge. Nous n'avons pas d'observation à faire sur ce point. Your Honours, it's important to keep in mind what the evidence has been consistently in the case. And that is when it came to the authority to kill.
ហើយទើបឈានចូលមកដល់អំពីសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្លាញ់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្លាញ់ដូចមានឯកសារក្នុងសំណុំរឿងបង្ហាញហើយត្រូវបានធ្វើប្រតិកម្មពីមជ្ឈិមធ្លាក់ទៅមេដឹកនាំភូមិភាគហើយសាកសួរដីទៀតក៏បានឆ្លើយផងដែរថាគឺមេភូមិភាគដែលត្រូវសម្លាញ់ទៅលើការសម្លាប់ទាំងនេះតំបន់បានប្រាប់អ្នកដែលនៅក្រុមគាត់ណែ ថាមន្ត្រីសម្លាប់មនុស្សដោយមានការយល់ព្រមពីខ្ញុំនោះទេវាជាចង្វាក់គ្នាទៅនឹងការឆ្លើយរបស់សាក់លើកពីនេះទៅទៀតសាវ័នដេមនស្ត្រេតសាកិកម្មរបស់សាវ័នបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើមន្ត្រីលន់នល់និងកូនទាហានលន់នល់ថាត្រូវបានចាត់ទុកក្នុងប្រភេទជនសង្ស័យដោយរបៀបណាហើយត្រូវប្រព្រឹត្តខុសគ្នាដោយរបៀបណាថាត្រូវបានចាត់ទុកក្នុងប្រភេទជនសង្ស័យដោយរបៀបណាហើយត្រូវប្រព្រឹត្តខុសគ្នាដោយរបៀបណា I believe it was office 204 it was called in that district where he was detained with others. So Salvan simply demonstrates further that the trial chamber was correct, that there was a policy of targeting low-level officials and soldiers. We go to Sam City, Your Honor saw his testimony. And we submit his testimony was absolutely consistent. And you also, I'm sure, appreciate the advantage of those who actually get to witness a person testify. As you can see during his testimony, I submit that the things he was talking about are things he experienced and can never forget. This happened 4 years ago approximately. He was a very young time. But what he testified to is he did witness an execution. That was the execution of his mother and others were put into the bomb crater. He was with them and survived. He said that he heard shots about his father and when his father's group was taken away. His mother tried to comfort him. And tell him that son had been hunting. But he was afraid because he suspected that they killed his father at that time. And those people, his father and the others, have never been seen again. So, Sam, Sithi's testimony is extremely important because it could contradict anything that Salvan or other evidence that the defense has tried to put forward about how former law-enforcement officials and officers were treated. Sam Sithi talks about how in this location, which was the same commune, where the top Khmer Rouge leadership planned the attack on Phnom Penh. And at that location, a large group had assembled, I believe, at the pagoda that the Khmer Rouge used a tactic that the evidence in this trial and the judgment shows was used throughout the country to try to fool these people into self-identifying themselves. They were told that anyone who was a former officer, a former official, He talked about what happened when he was adopted.
He also talked about the regular communications that he would carry messages from room to room to be sent by telegraph to the center and carry back messages from the center. I think he said that was going on about twice a day. He talked about how he himself was jealous when he heard the announcement that former Lon Nol soldiers are going to be taken to see the king. And he felt jealous because he saw these former Lon Nol soldiers and officers. We remember what he said. If we could get the impact. Which particular findings struck us as strong or weakened by any particular witness? This further corroborates the policy to kill Lon Nol soldiers and how widespread it was. One of the things you have to keep in mind when talking about witnessing soldiers being taken away and never being seen again, is that talking about Tuol Pol Trey remembering that location and distance, which again shows how widespread it was. He said he was 100 meters from the beginning. This was a nationwide policy, and that's what the judge did found. And that's what this testimony seems to confirm. Council, I believe, misrepresented the testimony of Philip Short in order to have the exact quote secured at this very minute. But while Philip Short certainly recognized that the Khmer Rouge Army was organized by zones, he made it very clear that this was not a group of independent militias. They all answered to one central authority, which was giving the orders and was being obeyed by these zone forces. ចំណុចគឺខាងភូមិភាគវិញគឺថាត្រូវតែគោរពតាមគោលនយោបាយនេះសូមអរគុណលោកសាប្រាជ្ញាអន្តរជាតិ បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅដល់សហមេតវីដោយសារសហមេតវីខាងនួនជាគាត់បោះបង់ ในการฉลายตอบปัญไตยมปินิตเตลเลอร์ซานาบดังซาตุกบกอดบอดบานจำต่อแต่หนึ่งปัญหามือจำนวนแปะปอนหนึ่งวิธีซักนองการตัวโยกพอตางดามใบโยมดักมันตุกเลอโกงกระไดบกอดปีบอดแปะปอนแตะตรงแต่หนึ่งอุกกระตกรรมช่างนุชจิตยังดังให้ทาในจะล็อกชนำจัดปรามดอยจัดเปิลเมียนกาจำเลีย ประชาชนได้บังคับตรงตรีทมจำนวนปีให้แปะปอนังกาจำเลียนุยังเคยท้าทว่าเอาประชาชนบัดบองอายุชีวิตจิจารันมันจำจิตตัวเลยได้ปัญหาโดยสหประชาชาติบ้านหลังมาดองมันไม่หายให้กล่าวปีกาบัดบองชีวิตน้องเมียนมนุษย์จิจารันได้โรงในกาให้ท่าอ่ะมนุษย์ทอบเซ็งเซ็ง จังในเปิลสลาตบงกอดทุกการจุนนุ่มจุ่มเรียออกจิจารันไข่หาไปแต่เลือกพอต่างจิจารันได้ยกเมาสำราญดับใบดาวยจุนจอบจอดหนุนจีให้นังเคียนสะพอนแต่ตัวเขาเต้าปีบอดอุกกระดาษช่างนุชิตเมียนกาสำราญบังกีลเมียนมนุษย์ขีดเมียนบำลาตีดับบังคอม การเธอตกบกมันในโดยมูลเหตุนโยบายหนึ่งอำเภออำนุสทอบเซ็งเซ็งเตียนนั้นสลานบงเผาวิธีซะวีดอำไรพอตังจีรวมด้วยสภาเปลี่ยนยามันเลิกล้างไงรับบอลรับเมืองไอซ่าดำใบยกมาเวียนไล่มันเวียนเหม็นเม็นจีเวียนไล่เลอองเฮ็ดมวยมวยเตะโดยไปเตลเลอร์นั้นวิธีซะสลานบงเปล่าพอตัง ก็ให้ท่าเมืองเยจอมเนี่ยพอตังในขนมตลากาพอตังกลายกรอบข้างตลากาให้นึงพอตังเซ็งเซ็งเทียดได้เปียปอนแต่นึงกาพอตังจะจามรามได้ขนมซาขนมซานามดังซาตุกบอลนุ่งเจียนมาหลังท่าพอตังจามรามยังเคยท่าสลานบงได้ไปเลยพอตังสกัยกรรมดักมันตุกแต่เลยจนจับเจ้า หายกดปราวิธีสามมวยเตี้ยได้ประมาณพอตังจะจามรามพอตังกลายกรอบคันนั้นบันเทมดักมันตกแต่เลยจนจับเจ้าให้นั้นแปะปอนพอตังจามราม
hay mê tivi ban chấm toa tò va tên nưng vị thị sah ni đai yo phó tang krai krop khan hay nưng phó tang cham ram yo mau chi phó tang đạ bần tục bần thaim ni tha ban rum lop tơ lơ sịt chun chọp chao nun chi thưa ao chun chọp chao nun chi nưng mần tụ ca chum nun chmreh đai yutti thọ đai prao vị thị sah ni ca ni nhóm miền sầm nô tha tơ à ca prao vị thị sah đai yo phó tang ក្រៅ ក្របខ័ណ្ឌ តុលាការ យក មក បន្ថែម ទៅ លើ ភស្តុតាង ដែល ទទួល បាន តាម សក្ខីកម្ម នេះ វា ប៉ះពាល់ សិទ្ធិ ដល់ ជន ចាប់ ចោត នឹង ដល់ កម្រិត ណា បើ យោង ទៅ តាម វិធាន 104 កថាខណ្ឌ 1 នោះ សូម ឲ្យ មេធាវី អាច ឆ្លើយ តប នឹង សំណួរ នេះ បាទ សូម អរគុណMerci, Monsieur le Juge, pour cette question. Je pense qu'il y a une partie à laquelle nous pourrons répondre demain lorsque nous aborderons la question des crimes et de la responsabilité. Mais pour répondre à votre question que la Chambre s'est posée, s'est fondée sur différents éléments de preuve de diverses sources. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la question n'est pas tellement sur quoi la Chambre se fonde, mais ce qu'elle fait de la preuve. Et là, très clairement, par exemple, pour la question de ce qui va l'aider à parler de discrimination et d'intention discriminatoire ou d'intention de contrainte à l'égard du peuple nouveau et ce qu'elle trouve à l'encontre de M. Kyosampan, je vais vous prendre un exemple que nous avons développé dans le paragraphe 247 de notre mémoire d'appel. Au paragraphe 783 du jugement, la Chambre va expliquer que la thèse de M. Kyosampan avait en elle des germes de ce qui s'est passé par la suite au Kampuchea démocratique. Et elle va dire qu'il y avait un élément de contrainte, que c'était quelque chose qui pouvait trouver dans l'idéologie, on va dire pré-75 de M. Kyosampan, une source de sa thèse. Or, alors oui, elle cite la thèse, il n'y a pas de problème, elle cite en bas, dans notre bataille de jugement, paragraphe 783. Le problème, c'est que la thèse ne dit pas du tout ce que la Chambre en fait. Exemple, on va nous parler en disant que dans la thèse, il y aurait des notions qui allaient envisager ce qu'allait être plus tard le peuple nouveau. Et la simple lecture de la thèse, et ça c'est le document E3, nous dit le contraire. Que dit M. Kyosampan à l'époque de sa thèse ? Il dit, et je cite, il parle des équipes des masses paysannes et dit la constitution des équipes d'entraide mutuelle dans lesquelles les instruments de travail, la terre et les produits du travail restent propriété privée. Dans la politique du PCK, mais mis en œuvre par une méthode de travail collectif correspond pleinement à l'état d'esprit actuel du paysan Khmer. Notre citation un petit peu plus loin. Ainsi, de nouvelles terres pourront être dégagées sans bouleverser la technique actuelle et par conséquent sans absorber trop de capitaux qui pourront être utilisés pour développer l'industrie. Industrie. Là non plus, on n'est pas dans la politique du PCK. Plus tard, un peu plus loin, il dit, nous estimons qu'on peut et qu'on doit chercher plutôt à dégager leurs possibilités contributives en cherchant à transformer ces propriétaires fonciers, ces commerçants intermédiaires, ces usuriers, en une classe d'entrepreneurs capitalistes agricoles ou industriels. Entrepreneurs capitalistes agricoles.
l'encore, on est loin de ce qui a présenté par la Chambre comme la politique du PCK. Et je ne peux pas concevoir que l'on puisse admettre que là, c'est une bonne utilisation de la preuve. Oui, on a utilisé la thèse de consentement. Oui, on l'a citée, sauf qu'on lui fait dire quelque chose qu'elle ne dit pas. Et c'est ça un petit peu le problème que nous avons avec la Chambre. Ce n'est pas tant de dire... Évidemment, il y a le problème des déclarations écrites, des gens qu'on n'a pas pu contre-interroger, etc. Mais je veux dire, ça, c'est un exemple précis de déformation de la preuve et de l'utilisation. Oui, c'est la preuve, elle existe, mais on ne lui fait pas dire ce qu'elle dit vraiment. Et j'entends du côté de l'accusation, on me dit, oui, mais alors, la défense isole tel ou tel argument, il faut voir les choses en globalité. Voilà, mettons-nous dans l'autre situation. Si nous nous étions contenter de dire oui, non, mais globalement, la preuve, elle n'est pas suffisante. Vraiment, ça ne va pas. On nous aurait dit non, mais là, on nous parle de façon générale et on ne prouve pas, on ne démontre pas les choses. Nous, ce que nous avons fait, ce que nous avons essayé de faire dans le cadre de notre mémoire d'appel, c'est de démontrer en quoi les conclusions de la Chambre avec l'utilisation de cette preuve avait été une mauvaise utilisation de la preuve et une violation des droits de M. Cossentin. Et là, j'en reviens et je réponds à l'accusation sur la question de la Chambre n'est pas obligée de motiver tout, sauf, excusez-moi, question de la démarche productive. Quand elle utilise divers éléments, la fameuse forêt dont parle M. le coprocureur, quand elle utilise divers éléments pour arriver à une conclusion qui va entraîner ensuite une condamnation, parce qu'elles ne sont pas faites comme ça, elles ne sont pas faites au hasard, ces déductions, c'est pour, par exemple, dans l'histoire de la thèse, pouvoir retrouver une intention qui va être ensuite utilisée dans le cadre d'une définition de crime, là en l'occurrence persécution ou discrimination, ça a un sens. On utilise et on défend cette preuve, on l'agence pour arriver à un résultat. Donc oui, quand la Chambre utilise cette démarche déductive pour arriver à un résultat qui va entraîner la condamnation de M. Cossentin, évidemment qu'elle a le devoir de motiver. C'est parce qu'elle l'a motivée, c'est parce qu'elle explique pourquoi elle retire que nous pouvons clairement, la question n'est pas de savoir quel est le nombre de notes de bas de page, quel est le nombre d'éléments, le nombre de pages qui sont utilisées, c'est comment c'est utilisé. Évidemment, il y a la question, nous maintenons cette question sur le problème de la valeur probante de certains éléments, mais au-delà de la valeur probante, il y a aussi la manière dont on l'utilise, et si on l'utilise mal, nous avons tout à fait le droit de faire appel de cette mauvaise utilisation. La jurisprudence que j'ai recitée sur la démarche déductive, elle est là pour le faire. Tại mà đón hai chúng xôn chủ nghiệp tha nơi thay xa ấy xa bình ca nâng bình to nơi vì liềm mong bổng buôn bật mình chẳng xôn mọi mình trầy phòn tình yêu kia nòm chân trọt chào tọp đi đi tới hoặc là chọp đi tới từ phòn tình yêu kia với hai nâng nòm mà với nơi thay xa ấy nơi môn màu bổng buôn bật chẳng ông chung nôn chủ ra bạc cả xa mạng nơi bình.